qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où on va faire de la mousse au chocolat. Donc ça fait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo et pour l'occasion, Octoly nous a envoyé des tablettes de chocolat. Donc on préfère être honnête avec vous, on nous les a envoyées, mais c'est vraiment des super bonnes tablettes de chocolat. Donc c'est des tablettes qui viennent de Le Chocolat des Français. On vous mettra leur site en barre d'infos et c'est des chocolats. Donc déjà nous ils nous ont envoyé 3 tablettes de chocolat noir. Et c'est des chocolats sans huile de palme et sans conservateur. Et franchement déjà juste on les a pas encore goûtés, mais les tablettes elles sont juste trop magnifiques. Les dessins ils sont faits par des artistes. Et donc on a 2 tablettes pour faire la mousse au chocolat. On vous mettra aussi la recette de la mousse au chocolat en barre d'infos. Et on a une tablette pour déguster. Donc on va d'abord déguster pour le goûter. Donc vraiment je les trouve juste trop beaux les petits dessins. Oh c'est trop chou. C'est trop mignon. Donc on va se prendre un carré chacune. C'est du chocolat noir, c'est très bon. Enfin moi le chocolat noir personnellement c'est mon chocolat préféré. Et on va commencer la mousse au chocolat. Pour cette recette on aura besoin de 2 tablettes de chocolat, Le Chocolat des Français, 4 œufs car il nous faudra 4 blancs d'œufs et 2 jaunes d'œufs, 60 ml de lait, 2 cuillères à café de sucre, bon nous on en avait plus donc on a pris des petites doses, une pincée de sel et 2 saladiers, donc les voilà les 2 saladiers. La première étape c'est de casser les 2 tablettes de chocolat en petits morceaux dans le saladier et ensuite il faudra les faire fondre au bain-marie. Donc Florine va commencer à mélanger un petit peu, moi je vais faire les 60 ml de lait et je vais les incorporer petit à petit. Bon bah du coup on va pas faire de gâchis hein. Quand ce sera totalement lisse, on le retirera, on le laissera un petit peu refroidir et on séparera les blancs des jaunes. On mettra 2 jaunes dans le saladier et 4 blancs dans l'autre saladier. Et les blancs on les montrera en neige comme une reine. Ma mère va mettre les blancs dedans parce que j'ai peur de faire des catastrophes. Je préfère la laisser faire, au moins s'il y a une catastrophe, ce sera de sa faute. Et Florine va mélanger des jaunes. Moi, je battrai les... T'es prête ? Oui. Les blancs. Attention, attention, on mélange. Le marathon ! Go, 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 go ! On va vérifier si les blancs sont bien en neige. Attention. Toi tu le fais. C'est bon, ils sont bien en neige. Et en fait ils disent pas quand est-ce qu'il faut mettre le sucre. Donc on va le mettre maintenant. Et donc maintenant, faut incorporer délicatement et petit à petit dans le mélange. Il faut vraiment pas que les blancs ils se cassent pour que ça fasse vraiment une mousse. Et on va mélanger. On va verser la mousse au chocolat dedans et ensuite il va falloir le mettre au frigo pendant 3 heures. Donc du coup on se retrouvera quand il fera nuit. C'est parti pour 3 heures au frigo. Donc ça fait qu'une heure mais elle est plutôt bien figée. Je fais ça comme si tout était normal. Donc c'est plutôt bien figé hein. Ouais, c'est bien et figé. Du coup on va goûter maintenant parce qu'après il fera trop noir. Je suis spécialiste en mousse au chocolat. Ah, je pensais que c'était plus dur. Quand tu l'avais pris, j'avais vraiment du galère. Ah, non, prends. C'est dégueulasse. Ma voix. Vous savez ce qu'il faudrait rajouter à l'intérieur? Des petites pépites de chocolat. Mais là, c'est trop trop bon. Avec vraiment. Des framboises. Bah moi, j'adore les mousses au chocolat. Mais le chocolat, il est vraiment bon par rapport à d'autres chocolats qui pourraient être un petit peu amers. Celui-là, il est très bien. J'aime beaucoup. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire. Et en attendant, on vous fait d'énormes bisous. Bye, bye.